Ah non, rien. Notre. Rien, notre wagon. Je vais devoir encore laisser le tramway. Super. Ok, après plusieurs wagons, on est reparti. On est dans le noir, mais au moins on voit un peu ce qui se passe. Et du coup, je pourrais montrer les endroits en fait qui sont accessibles ou pas si on utilise un tramway pour cet endroit-là. Aïe aïe aïe, ça va être galère. Bon ben, ça passe, ok. Alors est-ce que on va pouvoir passer la porte par contre ? Bon, on peut pas passer la porte. On va devoir reposer le tramway et encore refaire. Oh mon dieu. Ah c'est fun. Je suis allé un peu en avance pour voir ce qui nous attendait encore. Donc ouais, on va devoir encore s'amuser à juste descendre en fait les objets. Et quand on sera en bas, on mettra tout dans le tramway. Donc ouais, c'est compliqué pour passer ces endroits-là. Après, j'ai pris l'habitude maintenant, donc je sais quels objets sont lourds et tout ça. Je sais à quel poids je peux marcher, courir et tout. Donc bon, ça va vite. Honnêtement, ça va assez vite. Mais je vais vous épargner les allers-retours. Mais voilà, à savoir que si vous voulez passer avec un tramway, ça va être un peu compliqué. Il y a des moments, il va falloir vraiment faire des allers-retours pour ça. C'est vraiment bête qu'on puisse pas le descendre en fait manuellement ou même le jeter au risque qu'il s'abîme un peu. Mais voilà. Ok, on se retrouve un peu plus tard. Ok, donc nous sommes de retour pour continuer. Donc je suis juste dans le coin. J'ai fait un petit feu, j'ai dormi, j'ai fait aussi un aller-retour au camp principal pour récupérer donc des... Ah oui, il faut que je fasse du café. Enfin, quoi qu'on est à fond, honnêtement, on n'a pas vraiment besoin d'utiliser du café. On va utiliser ça. On va utiliser ça. Donc j'ai fait un aller-retour, donc j'ai pris 3 boyaux. Attendez, on va faire ça, c'est plus facile. Ils sont où mes boyaux? Ils sont là. J'en ai 3. Et j'ai 3 pots, parce que c'est 1 et 1, on avait vu que c'était 1 de chaque. Donc je me suis dit autant prendre ça, parce qu'au final, ce que j'ai pensé, en fait 3 ça fait beaucoup, mais de toute façon on peut transporter, c'est pas vraiment grave. Mais je me suis dit, si jamais en fait on n'a pas assez pour, par exemple pour le réparer, le problème c'est que pour le construire, en fait il faut des bois pour faire des arcs et il faut les sécher et tout ça. Donc si jamais il casse pour de vrai et qu'on n'arrive plus à le réparer, on va vraiment avoir un gros problème par rapport à ça. Donc voilà, du coup j'ai pris 3 de chaque. Voilà. Ça fait lourd un peu, hein, c'est 0,50 la peau de cerf du coup, c'est pas 1 kg. Mais voilà, donc je me suis dit autant y aller franco et faire ça. Donc ouais. J'ai besoin de boire. Oui, j'ai besoin de boire, ça va. On est d'accord qu'on peut pas le prendre avec une torche. J'ai jamais vraiment testé. Mais... Ah. Elle est où la torche? On voit. Ah oui, ça l'éteint, ok. Ouais, attends, qu'est-ce qui se passe? Oui, non, ça l'a éteint. Ok, non, c'est bon. Bon. Ça fait un peu un truc bizarre, j'ai l'impression. Parce que j'avais toujours l'icône de la torche, en fait, alors qu'elle n'était pas équipée. Enfin bref, c'est pas grave. On avance. Donc ouais, j'ai pensé à ça. Parce que quand je suis rentré, je me suis dit, eh, j'en prends quoi? 1, 2. Et après, je me suis dit, ouais, mais non, mais si vraiment il casse et le truc, il s'use vite, hein, il est déjà à 60% là et on n'est toujours pas arrivé. Je me suis dit ça va être la galère, donc non, on va en prendre 3, ce sera très bien. Après, une chose qui serait bien, ce serait qu'il puisse sécher dans le tramway, mais bon, non, en théorie, c'est pas comme ça que ça fonctionne, je sais. Ça serait bien. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Bah du coup, il s'est passé un peu quelques heures hein, quand même, il s'est passé vraiment quelques heures. J'ai pris mon sac de couchage.
parce que j'ai dû faire des allers-retours. Alors, c'est vrai que pour la passer les wagons, alors normalement, j'ai pas encore édité évidemment, mais je vais vous montrer les endroits en fait clés où il faut absolument passer du coup à pied. Je vais vous montrer ça. Par contre, ce sera dans le noir parce que c'est dans la grotte évidemment, enfin dans dans les tunnels. Poser le travois pour interagir. Non, t'es sérieux? Oh, t'es sérieux? On peut pas passer en haut, hein. On est d'accord, hein. Je crois que passer en haut, là, je peux juste y aller comme ça, en fait. Mais je peux pas y aller de ce côté-là. Non, je vais devoir faire des allers-retours encore une fois. Oh mon dieu. Ah, ça devient un peu long, là, j'avoue. Fais voir un peu la grotte. J'avoue que ça devient un peu long. Dites-moi en tout cas si je prends une mauvaise route, mais je prends la route la plus rapide hein, maintenant, d'accord, j'ai pas besoin de prendre la corde. Fais voir un peu. Ouais, ouais, non, on va être obligé de... Putain, on voit rien du tout en plus. Ah merde, j'ai ma lampe qui est dans le travois. Ouais, non, mais j'ai ma lampe dans le travois. Bon, bah, c'est pas grave. Encore une fois, on fait un aller-retour. C'est pas grave. Honnêtement, c'est pas dangereux de faire ça parce qu'on est dans une grotte et tout. Le plus dangereux, ça serait des cordes en fait. De devoir faire ça avec des cordes. Là, oui. Là, ça serait méga dangereux. Mais là, on en a pas vraiment besoin. Donc ça va. Mais ouais. Bon, je vais faire ça de mon côté. Je vais couper, parce que sinon ça va prendre, genre, on va bouffer 15 minutes de l'épisode, juste pour ça. Donc on se retrouve de l'autre côté de la grotte. Et voilà, je pense qu'on est bon. 35 kilos, ouais, c'est bon. On est bon. Eh ben, ouais, il commence à faire froid. C'est un peu la galère maintenant. Là, je commence à comprendre la galère. Mais ouais, au moins on est passé. Par contre, on a une tempête. On va devoir s'abriter, je pense. Je crois qu'on va aller. On va arriver à une grotte. Donc, on peut peut-être passer du temps dans la grotte. Si je me rappelle bien. Si, il y a la place. On me dit pas qu'il n'y a pas la place. Là, je vais péter un câble, par contre. J'en ai marre de débarrasser le truc et le passer et tout ça. Ça commence un peu à me saouler. Ouais, il va falloir qu'on se mette à l'abri. Il y a encore quoi? Il y a encore des tunnels. Ah mon dieu, il y a encore des tunnels. Ah la galère. Je pense que je vais avoir le même problème avec les... Quoique non. Non, il n'y a plus de tunnels. Je crois qu'il y a la grotte, elle est à droite. Non, je pense que c'est fini les tunnels. Je ne me rappelle plus exactement. Par contre, la zone, du coup, il faut vraiment la connaître. Il faut vraiment s'en rappeler et tout. Pour le quand vous vous baladez avec le travois, faut vraiment vraiment connaître les zones. Très bien. Yes, nickel, 60%, c'est bien. Ah, mais ça doit être une tempête extrêmement froide. Hein, parce que là, on a des vêtements qui sont nickel.
on est à ressenti 10 degrés. C'est un peu incroyable. Ouais, non, mais je vais pas. Non, c'est pas... J'ai pas envie d'aller voir. J'ai vraiment pas envie d'aller voir. Ok, on a des boyaux séchés ici. Bon, bah c'est bien. On a. Faut qu'on passe du temps. Faut qu'on passe du temps. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le problème, c'est que ça peut durer super longtemps. C'est un peu chiant. Je vais être honnête, j'ai rien à faire. J'ai strictement rien à faire. J'ai pas envie d'utiliser du tissu non plus, parce que bon, sinon, voilà. Ah oui, ah par contre, est-ce que... Oui, non, alors ça a pas été... ça a pas été patché, je crois bien. Alors... Genre, 50% d'humidité, 50 et 18 par exemple. On va attendre un peu. Donc normalement, ça va pas sécher. Même si on est à l'abri du vent et qu'il fait chaud, ça va pas sécher. Il y a toujours ce bug là, donc je vais voir si ça a été corrigé. 5,49, ouais non ça va. C'est un peu lent mais ça va, ça a l'air d'avoir été fixé. Alors, on peut faire un feu, on a du bois. On peut... Enfin, on peut tout faire hein, honnêtement. On peut tout faire, y a pas vraiment de problème. J'ai mangé un pancake. Il nous reste encore ça. Je suis en train de réfléchir, mais... On peut dormir. Ah, attendez, on va voir s'il va perdre des pourcentages. Alors, de ce que j'ai vu, j'ai pas l'impression qu'il perde des pourcentages s'ils sont laissés comme ça. 60%. Donc, de ce que j'ai vu, non. Donc ça, c'est bien. C'est une bonne chose. Après, il faudrait le mettre à la tempête, en fait, pour voir. Bon, c'est toujours la merde. Ça fait plaisir. Ouais, non, c'est bon. Je vais voir si je peux pas récupérer un peu de bois. Après, la bonne chose, c'est si on avait un thermos, on pourrait un peu forcer le chemin. Et un peu se boire. Enfin, non, quoi qu'au bout d'un moment, on va plus avoir soif, en fait. Donc on peut pas se réchauffer non-stop non plus. Ouais, là on va pouvoir passer, y a pas de problème. Y a pas de problème. Est-ce que je vais pouvoir passer directement sur la droite ou alors il faut que je fasse un tour ou pas? Je pense que ici on passe. Ouais, on va pouvoir passer, ça va. On va pouvoir passer. C'est vraiment cool d'avoir un sac. 59%. Donc si en fait il se détériore avec le temps, est-ce que c'est parce qu'il y a des objets dedans ou est-ce que c'est parce que il fait froid? Parce que même là, normalement il ressent pas la tempête. Hein. Là il ressent pas la tempête. S'il était genre là oui, mais là non. Ah bah merde. Ah ouais non mais il faut vraiment du matos pour les réparer ces trucs là. C'est abusé. On va devoir taper dans les ressources, c'est un peu chiant. Alors ça fait quoi? Donc repos, endurance max, mal de l'enfermement. Je sais pas si on les utilise ou pas, ceux-là, ou on les garde. Genre, on pourrait peut-être utiliser... Euh...
Balai. Ça en fait, peut-être. Comme ça, on peut les transformer en poudre. C'est le plus lourd. C'est celui-là qui c'est de ce qu'on a. C'est le plus lourd par rapport aux calories que ça donne. Ça, c'est les plus légers. Et ça aussi, évidemment. Donc, ouais, on peut utiliser ça. Voilà, 001, c'est très bien. Techniquement, on peut même un peu forcer. Ouais, ça passe. Voilà. Donc ça... Ah, bah tiens, un marteau. On pourrait prendre un marteau aussi sur nous. J'avoue. Pour broyer ça. Parce qu'avec le travois, on peut. Hein. Avec le travois, on peut. C'est un peu le bordel l'inventaire maintenant, mais bon. Ça va être blindé de trucs comme ça, de niveau 1, de 001. Ok, nickel. Bon, si jamais ça prend trop de temps, je couperai, parce que j'ai envie vraiment d'avancer dans l'épisode et j'ai envie d'arriver dans la nouvelle zone. Donc ouais. Ok, on est bon. Ça s'est calmé. J'étais en train d'attendre. Ok, on ramasse ça. J'étais en train d'attendre. J'ai un peu dormi, comme d'habitude. J'ai fait un mix de attendre, dormir, attendre. Bon, par contre, il va faire nuit. Ça, c'est un peu problématique. 58%. C'est un peu problématique s'il va faire nuit. Ouais. Non, enfin, c'est pas grave. C'est comme ça. Bon ben voilà, on est reparti. Fait froid ou pas? Non, ça va. Honnêtement, on a des très très bons vêtements. Et le fait qu'il y ait une tempête maintenant et qu'on ait pu se mettre à l'abri, du coup, il va pas faire très très froid. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une tempête, après, c'est un peu mieux le temps. Donc c'est cool. Y a pas des loups, là. Non, ça va. Bon, bah le travois, c'est dangereux. C'est dangereux de se balader avec le travois. Moi, honnêtement, je trouve que c'est trop par rapport au fait qu'il s'abîme. Après, techniquement, comme Interland l'a montré, techniquement, c'est pas fait vraiment pour trop se balader. C'est plutôt d'aller d'une région à une autre et pas plus. Et en gros, c'est pour bouger beaucoup de matériel. Par exemple, pour faire une base à un autre endroit et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on est bloqué dans pas mal d'endroits. On est vraiment bloqué dans pas mal d'endroits. Mais bon, personnellement, je trouve que c'est fun en fait à utiliser. Donc, j'ai vraiment pas envie de le laisser de côté. Quoi. Même si, bah oui, ça prend du temps parce que des fois on est bloqué. Donc, il faut tout le vider, faut passer d'un côté puis de l'autre et tout ça. Là, je suis sûr qu'on va encore devoir le faire, parce que je suis certain qu'il y a encore des wagons. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, hein, je vais couper, hein, y a pas de problème, parce que sinon ça va prendre trop de temps. Mais honnêtement, là, c'est fun. Moi, je m'amuse bien à faire ça, à me trimballer ça derrière. C'est vraiment fun. J'aime bien cet endroit, parce que je préfère cet endroit, parce que... Ouais, quoi que non, en fait. Non, j'ai rien dit. J'allais dire qu'on voit un peu mieux la lumière ici, mais en fait, non, ça devient super sombre. Je distingue un wagon. J'essaierai d'augmenter un peu la luminosité. Je peux pas prendre la lampe de toute façon, donc je peux rien faire. Mais je crois que c'est un wagon, ou alors c'est juste... J'en sais rien. Juste la sortie, en fait. Non, c'est un wagon, ça. Non, c'est la sortie, en fait. C'est cher indice.
Je pense qu'on a passé les endroits où il faut décharger le travois. Je pense qu'on a passé tous les endroits où il faut le décharger. Donc ça va. Dis-moi que ça passe parce que là... Ouais. On a chaud ? Ouais, ça va. Ah ! Là, on a un wagon en face. Je pense que je vais devoir... refaire le transfert. Ah, quoique... Ouais, non, ça... Ouais, peut-être. On va voir. On va voir ce que dit le jeu. Putain, je vois rien. Ah, c'est chiant, par contre. Ah non, t'es sérieux ? Oh, franchement, c'est méga large. Attends. Ah, honnêtement, c'est super large. Non, là t'abuses le jeu. Non, par contre, là, honnêtement... Alors, peut-être que je l'ai mal pris, mais franchement... Ah, mais la lampe, elle est dans le sac. Feels like night is coming. Ouais, je sais, ouais. Elle est où, ma lampe. Je vais être franc, là, ils abusent un tout petit peu. Regardez ça. Non, là, là tu peux faire passer un bus, là. Non... Alors là, peut-être, là, non. Là, je dirais non. Mais le côté droit, je dirais oui. Putain, je peux même pas passer. 51% le truc. Oh, oh la vache. On va se remettre. Je crois que le jeu m'empêche directement. Oh ! Attends. Je peux plus... Je peux plus faire aller... Je peux plus avancer et reculer. Oh putain. Ah, je l'ai complètement bloqué. Ah, j'en étais sûr que ça pouvait arriver. Putain, ça fait chier. Ah, Interland, vous faites chier. Ou vous me faites pas passer, ou vous me faites passer. Point barre. Vous me faites pas la moitié, quoi. Honnêtement, ils devraient mettre des zones où le travois, c'est genre impossible. Ou alors c'est possible. Point barre. Y a pas... Ah, ouais, non, je peux plus avancer. Reculer. Ah, putain. Bon bah du coup c'est bien parce que ça vous montre un peu les problèmes des travaux quoi. Bon bah on se revoit dans 10 minutes. A tout de suite. Ok, je crois qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Ok. Avance. Ok, ok. J'ai un peu gardé des choses sur moi cette fois. Donc on est plus proche des 40 kilos, mais ça va. Bon, on est reparti. J'essaierai d'augmenter la luminosité, parce que c'est vrai que là on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans des zones complètement noires, mais je peux strictement rien faire, vu que je transporte le travois, c'est vraiment embêtant. À la limite, le travois, on l'a trop chargé. Vous savez, genre avec des outils et tout ça. Oh putain. Okay. On l'a un peu trop chargé, en fait. C'est ça, le problème. À la limite, si vous voulez transporter le travois et du coup, vous allez devoir faire comme moi pour passer des endroits qui sont difficiles, le chargez pas autant. Moi je l'ai quand même vraiment, vraiment blindé. Donc du coup, je peux pas genre tout prendre sur moi parce que ça me fait 80 kilos. Là, on est quoi, 39? J'ai 40 dedans, ouais, on est à peu près à 80 kg. Donc du coup, en fait, à 80 kg, on peut pas bouger. On peut pas déplacer le personnage, donc ça, c'est le problème. Donc si vous arrivez en surcharge à... Si votre maximum, c'est 45, je crois que si vous êtes à 60, vous pouvez vous déplacer encore. Oh merde, est-ce que je vais pouvoir passer, là? Donc 60, ça va, en tout. Donc ouais. Non, non, je vais pas pouvoir passer, là. Ah, quoi que. Ah, vous voyez, c'est super mal fait. Pourquoi je peux passer là et je peux pas passer à côté du wagon dans le tunnel? C'est complètement con. Ah, honnêtement, là, c'est complètement con. Là, je suis très déçu. Mais bon. Ah, il va sûrement avoir des petites adaptations, en tout cas, j'espère.
Oh, on est de retour ici, c'est bien. Une fois qu'on aura trouvé un camp dans la nouvelle zone, on va déposer les objets que... Genre qui sont quasiment inutiles, enfin qu'on utilise genre une fois tous les 100 ans. Genre par exemple la caisse à outils, des trucs comme ça. Peut-être qu'on se baladera... Non, on va d'abord se balader sans le travois. Ou alors à la limite on le gardera dans l'inventaire. Et puis après, plus tard, on va commencer peut-être genre à récupérer des choses si jamais on doit partir. On va faire une pause du coup à la station. On va regarder aussi... Je sais pas, vous montrer aussi la nouvelle mission. Alors, pour avoir les nouvelles missions, les nouvelles Tales, il faut absolument finir la première. Donc ça, c'est cool qu'on ait, on ait tout fini, en fait. Normalement, il n'y a pas de loup, là. Hein. On n'en a quasiment jamais. Hein. Mais je vais être franc. Même si, techniquement, c'est un peu plus long... En tant que... Comment dire... Genre de faire des va-et-vient à des moments, là, pour le vider et tout ça. Même si ça, c'est un peu chiant à faire, je pense que c'est beaucoup mieux de se balader avec un travois qui a plein de choses à l'intérieur. Parce que votre personnage, en fait, marche assez vite. Au final, faut l'avouer, hein, on marche relativement vite, tant qu'on n'est pas en surpoids. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc au final, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de faire ça plutôt que de se balader genre à 55 kg par exemple. Je vais le mettre en plein milieu parce que je vais pas monter. Alors en théorie, si je dis pas de bêtises, la... C'est en face là-bas ? Je sais pas trop exactement. Ça va, il fait pas trop froid. Parce que je me rappelle d'avoir vu un panneau. Alors je sais pas si c'est vers les hauteurs ou vers la droite en fait. Ouais, faut qu'on boive et faut qu'on mange. Ah voilà, c'est ce panneau là dont je parlais. Alors, Field 31, donc ça c'est l'aéroport. Et après il y a Langston Mine. Et après il y a autre chose. Donc, Langston Mine. Donc bon, ça doit être la route. Je vais voir un peu. Juste au cas où. J'ai pas encore l'habitude de voir mes mains avec, avec autant de fourrure. Ok, bon, là on peut passer, y a pas de problème. Je dirais que c'est en face là, personnellement. On va vérifier d'abord. Parce que j'ai pas envie de me trimballer le travois pour rien. C'est quoi ça? C'est un lapin. Après, par contre, je connais rien sur la zone. Je sais pas combien de petites zones c'est en fait. Pour la région. J'imagine qu'au final, la région de l'aéroport, elle est... Enfin, la région où on est maintenant, c'est une zone de transit, en fait. Donc, j'imagine que... qu'il n'y a qu'une seule nouvelle zone pour la mine. C'est quoi, ça? Mine site. Ça doit être ça, du coup. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je vais voir. Ouais, parce qu'avant, c'était... Ouais, ok. Col du transfert, ça marche. Donc, à chaque fois, on va se retrouver au col du transfert, j'imagine. Pour aller dans les nouvelles zones, peut-être. Ok, très bien. Aussi, j'ai pris beaucoup de nourriture parce que, bon, du coup, on va sûrement rester longtemps et tout ça. Et je me dis que si c'est une zone contaminée, peut-être qu'il y a zéro... Pardon, mauvaise touche encore une fois. Peut-être qu'il y a zéro genre... cerf, lapin, vous savez, des trucs comme ça. Et peut-être qu'il n'y a que des loups. Et les loups, je sais pas si on peut les manger, parce que vu qu'ils sont contaminés, personnellement, je dirais que non. Mais voilà, j'avais vraiment envie de prendre beaucoup de calories exprès pour ça, si jamais on a des problèmes. Ok, voilà, très bien. Alors, est-ce qu'on dort un peu? On dort un peu et, ou alors on part maintenant?
On peut peut-être dormir une heure à la limite, histoire de... Histoire de se réchauffer, d'être un peu mieux. Ok, très bien. Ah, je sais que c'est pas très beau pour l'inventaire, mais... Nickel. Voilà. Au moins, ça me permettra de faire plein de pancakes, en fait. Ça, c'est vraiment... Bah, c'est un peu abusé. J'ai envie de dire, c'est un peu de l'exploitation, mais bon. C'est un peu comme ça que le jeu fonctionne, j'ai envie de dire. Je sais pas. Moi, je pense pas que c'est vraiment de l'exploitation. Je pense que c'est juste être un peu malin par rapport à comment le jeu fonctionne. Mais bon, après, vous voyez ça comme vous voulez. Mais bon, moi, du coup, je fais comme ça. Et du coup, tout ça, on pourra le mettre en poudre, le casser, et après on fera des pancakes au gland juste après. Donc ça c'est vraiment, vraiment, vraiment fun. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on va peut-être dormir genre une heure. On pourrait faire un feu pour se... Ouais, on pourrait faire un feu. Oh, on n'en a pas vraiment besoin. Il fait pas très froid en fait, j'ai envie de dire. Il fait pas super froid, donc... go quoi. Ah ouais, non, mais on a un super temps. Non, mais let's go, let's go, let's go. Attendez. Ouais, non, mais let's go. 44, oh la vache. Faut vraiment pas qu'il casse, hein. Va falloir qu'on avance et qu'on trouve un lieu pour se mettre à l'abri. Et ça sera notre... Alors, attendez, peut-être que je devrais peut-être passer par là, en fait. Faudra le réparer. Je sais pas si il y a une chance qu'il casse en fait s'il est bas en pourcentage. Parce que si vous savez, je crois que c'est les outils, genre couteau et tout ça, je crois que s'ils sont en dessous de 30%, ils ont une chance de casser directement, quelque chose comme ça. Personnellement, ça m'est jamais arrivé, hein. Je laisse jamais mes outils descendre aussi bas, mais je crois je crois que ça peut se produire. Donc faire attention. Il faut être protégé du vent en fait. J'espère que c'est une grande zone bien ouverte quand même, hein. Enfin, en tout cas, qu'on trouve un camp en fait assez rapidement. Un bâtiment. Un bâtiment assez rapidement serait cool. Vous voyez là, si on avait un thermos, ce que je ferais, c'est que à chaque fois, je réchaufferais encore mes tisanes pour les remettre dans le thermos. Et à chaque fois, on ferait ça en boucle en fait. On ferait beaucoup plus de feu. Après, bon, ça dépend ce qu'on fait évidemment. Mais on ferait beaucoup plus de feu juste pour vraiment garder tout, tout au chaud. Et ça serait bien d'en avoir plusieurs. Oh putain, ça serait cool. Genre qu'on en ait un avec du café et un avec, avec des tisanes. Ah, ce serait vraiment fun. Allez, on y est. On y est, enfin! Ah, ça nous a pris du temps, hein. Ça nous a pris du temps tout ça. Nouveau lieu découvert, zone de contamination. Et je pars sur la droite apparemment. Alors, maintenant il faut faire attention. Bon, déjà c'est bien grand, donc le début est cool.
On va prendre tous les glands qui traînent parce que ça c'est juste magnifique. Ça c'est quoi, c'est des glands ça. On a le côté gauche. Bon, je peux pas dessiner parce qu'on est en pleine nuit par contre, ça c'est un peu embêtant. Mais côté gauche, on a tout droit. Intéressant. Là, il y a l'air d'avoir des constructions. Enfin, il y a des choses pour tenir la neige, là, pour pas qu'elle tombe sur la route. Je dirais pas non pour me réchauffer, en fait. Pour faire un feu. C'est quoi ça, là-bas? J'ai ma lampe avec moi. I've never felt so cold in my life. Est-ce que c'est une zone... Est-ce que c'est une zone de corde? On va prendre tous les glands qui traînent. Parce que c'est quand même une très très bonne source de nourriture. Et si jamais on descend trop en vie, parce qu'il fait froid, on va s'arrêter, on va faire un feu. De toute façon, j'ai plein de bois de côté, donc c'est pas vraiment très grave de les utiliser. Je sais pas si on peut ramasser du bois pendant qu'on traîne le travois. C'est quoi ça? C'est juste un... Très bien. Bon, pour le moment, ça a l'air d'être tranquille. Des fois, il n'y a pas beaucoup de glands, par contre. Commence à faire sombre. Oh, bon, regardez-moi les problèmes de texture. Aïe 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 aïe. Attendez. Juste être sûr qu'il n'y ait pas... qu'on loupe pas quelque chose, en fait. Non. Bon, on va avancer un peu encore. Si jamais on trouve rien d'ici 2-3 minutes... On fait une pause. Et on fait un feu. Vu que c'est une nouvelle zone, je voudrais que ma vie soit quand même très très haute à chaque fois. On devrait peut-être mettre le gilet pare-balles aussi, si on l'a pas pris pour rien. C'est quoi ça là-bas? C'est un loup. Ouais, ok, c'est le temps, c'est l'heure du gilet pare-balles. Ouais, on est un peu lourd par contre. Je vire des choses. Ça. Ok, let's go. Let's go. What? Oh putain, les choses peuvent être humides. Quand c'est dans le... laissé dans le... Oh, fais chier. Non, c'est pas grave. Ouais, il arrive. Oh la gueule que ça. Il a eu peur en fait. Ah par contre on tremble, ça c'est un problème ça. J'avais pas pensé à ça.
deux. Faut faire attention parce qu'il y en avait un derrière aussi. On va devoir faire un feu. Ok. Ça va. Ça va. Ok, très bien. Risque d'infection, hémorragie, risque d'empoisonnement chimique. C'est parce que je tremble. Okay, nickel. On est bon. Il est là. C'est l'autre. Ça, c'est le troisième, ça. Celui qui vient de nous passer devant. Ok, faut qu'on se fasse celui-là et faut qu'on se mette à l'abri pour du... faire un feu. Ah, c'est celui-là qu'on a blessé. Qu'on a attaqué. Du coup, et ça, c'est l'autre, en fait. C'est celui-là qui était parti et qui est revenu. Il est où, mon travailleur? Donc ça, c'est celui-là qu'on a blessé. Ça va. Ah, on n'a pas pris cher, honnêtement. Avec encore merci le... Ouais, vous voyez, c'est celui-là qui saignait. Donc ça va, on en a tué trois. J'ai pas regardé ce qu'ils avaient sur eux. Bon. 3 points pour moi, 1 point pour eux. Ah, ils ont pas de viande. Oh, c'est chaud. Blindage, risque d'hypothermie. Okay, ça marche. Blindage, hein, c'est bien ça. Mais ils ont pas de viande, c'est con. Pas du tout. Il y a un bâtiment là ou pas? Ouais. Fais un feu ici, histoire de se réchauffer. Oh, putain, Oh mon dieu. Oh mon dieu, j'ai fait une connerie. Attendez. Oh la vache. Ok. Oh la vache, ça me fait peur ce truc. Ça me fait peur. Ok, là c'est pas mal pour faire un feu. Ou alors là. Ok. On va regarder la description là, du poison. Je sais que j'ai pas regardé encore, mais c'est parce qu'on est un peu pressé par le temps là avec le froid. Nickel. On va prendre ça. Très bien. Merde. Pas grave, je voulais le chauffer avant de le boire, mais c'est pas grave. Alors, du coup, on a ça. Je vais d'abord le déposer. Normalement, le remettre, ça devrait aller. Ouais. Non, ça va, ça descend. Ok. Nickel. Ouais, j'aurais bien voulu le réchauffer avant. Donc, risque d'entorse, pourquoi? On est à 48, ça fait, y a pas de problème. J'ai tout le bois sur moi. Donc, risque d'empoisonnement chimique. Vous risquez l'empoisonnement en passant du temps dans les vapeurs des produits chimiques toxiques. Donc, on est à 10% causé par produits chimiques toxiques. Donc, traitement, évitez les vapeurs des produits chimiques toxiques ou utilisez un masque filtrant pour réduire votre vulnérabilité. Donc, du coup, on peut avoir l'empoisonnement par les loups aussi.
Donc ça c'est une bonne chose à savoir. À la limite, ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est prendre un peu de charbon. Prendre un peu de charbon, ça aurait été un très très bon plan aussi. Pour augmenter la chaleur très vite en fait. Parce que là, c'est vrai que j'utilise vite tout mon bois, en fait, tout simplement. J'utilise mon bois très très vite. Ça. Très bien, on a un peu plus chaud maintenant. Alors, ce qu'on va faire, c'est... Je pense qu'on va prendre une tisane. On a soif ou pas? Ouais, ça va. Et on va dormir. On va dormir 2 heures. Quoique peut-être un peu plus. Bon, vu que je connais pas trop la zone, on va mettre un peu plus de bois quand même. Parce que je sais pas si la zone est genre blindée de tempêtes ou de trucs comme ça. Donc on va pas lésiner sur les moyens. Donc on va boire ça. Comme ça, ça va nous permettre de récupérer pas mal de vie. On va dormir 3 heures. Voilà, nickel. Pas très bien. Ah. Évidemment, on a une tempête qui se lève. Il y a des bruits un peu bizarres ici. Mais ça va. On a une tempête, ça c'est un peu embêtant. Mon poids... Non, c'est juste le vent. J'espère que le... Ouais, bah si le vent, de toute façon, fait comme ça, ça va me souffler mon feu, hein, de toute façon. Il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. Je vais essayer de récupérer un peu plus de bois. Ou alors essayer de voir si on peut pas trouver un bâtiment. Il y a des endroits qui sont pas mal. Genre même là, ça pourrait être pas mal pour faire un feu. Je pense qu'il y a des bons endroits pour cacher un feu, en fait. Donc, ça, c'est des bonnes choses. Alors... Ouais, même là. Oh oui, non, c'est vachement bien là. Ah ouais, on peut se protéger du vent et tout. Oh, zone toxique. Je crois. Wow, 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 wow. Ok. J'ai vu aucune indication. J'ai vu zéro indication. J'ai pas vu de différence de couleur et tout. Alors après, c'est peut-être parce qu'il fait nuit, mais... Ouais, ça va être dangereux, ça. Damn, I'm freezing. Putain, je voudrais bien trouver un bâtiment. Bon, on va pas aller sur la droite. Attends, c'est toxique là aussi? Oui, c'est toxique, putain. On entend le bruit en fait, ça fait blouk blouk. Ça fait un truc bizarre. Aïe 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 aïe. C'est bête que je peux pas me cacher du vent moi. Bon après tant que le feu est caché ça va. Mais... Ça va être un problème ça. Il y a ce bug depuis la dernière mise à... Non, l'avant-dernière.
Des fois, quand je prends des bois, bah ça s'affiche comme ça. Je sais pas pourquoi. Très très embêtant. Bon, du coup, on est un peu bloqué. Ça m'embête là par contre. Là, ça c'est un peu chiant. Là. Très bien, on va se mettre ouais là. On va dormir une heure. Ah, c'est un peu embêtant là. Ok, notre feu est encore bon. Nos vêtements aussi. On n'est pas super bien placé en fait. On pourrait passer du temps, faire les choses. Genre j'ai des... Attends, ils sont dans le travois. Alors, ça... Encore vrai qu'on a cet endroit hein, pour protéger notre feu. Là encore, je suis content pour ça. Toxique d'empoisonnement, guérison, très bien. Ok, 3 heures encore. Ça va, il fait tellement froid que notre feu dure très longtemps. Tant qu'il se fait pas souffler, ça va. Y a pas de problème. On va les faire un par un. Parce que si jamais notre feu commence à s'estomper, on le voit direct. Un peu 3 heures. J'ai pas l'impression que ça se calme, mais bon. Tant qu'on risque rien, ça va. Il n'y a pas de problème. Faudrait qu'on mange un peu. Ah, faut pas boire. Faut pas boire parce que si jamais on veut prendre des boosters là, faut qu'on boive, faut qu'on puisse boire en fait. Bon ben voilà. Là on voit un peu de la survie un peu hardcore, là c'est dangereux, on est dans un nouvel endroit, on sait pas ce qu'il faut faire, on est un peu perdu. C'est vrai que ça fait un peu assez longtemps que j'avais pas eu ça en fait. Mais ça va, ça passe. Après bon, c'est peut-être pas méga palpitant à regarder, parce qu'on avance, on avance quasiment pas. Mais bon. Voilà, au moins on a le travois, et j'avoue que le travois aide énormément pour la survie. Rien que le fait d'avoir une cinquantaine de bâtons là, il faut qu'on en récupère encore plus. Qu'on mette tout ça dans le travois. J'aurais bien voulu l'avoir à côté de moi, mais... Il est toujours trop loin du feu, mais 34%, quoi, c'est horrible. Ouais, ça va, je peux faire marche arrière. Ouais, on va le réparer quand on trouvera un endroit pour se cacher. Bon, je suis content. Je sens que je vais... Alors, ce qu'on va faire, parce que là, ça va devenir trop long. Ce qu'on va faire, c'est que je vais finir mes baies, là. Mes glands, pardon.
Et si jamais il y a toujours de la tempête, on va dormir et on verra ça là pour l'épisode prochain. Parce que là ça veut vraiment pas passer en fait. Ouais, ça veut vraiment pas passer. Très bien, on fait des grandes portions. Non, je veux cuire. Grande portion, très bien. Encore 2 heures de feu, on a encore plein de bois. Ah ça va, c'est sympa. Ça y est, ça se calme un peu. Ça se calme un peu. On va mettre tout ça dans le travois. Alors, le bois. Hop. Ah, évidemment. Maintenant, le vent souffle. Évidemment. On peut le garder. Okay. On va prendre ça. Excusez-moi, j'ai tellement de trucs maintenant, c'est que je suis un peu... Je suis pas perdu, mais... voir un peu à quoi ça ressemble. On peut pas balancer une torche et genre la zone toxique elle explose ou un truc comme ça. Ah, je vois un peu de la fumée là en fait. Okay. Ah oui, je comprends un peu mieux maintenant. Merde. Ah putain. Ah oui, mais les zones elles sont méga grandes. Ah, ils abusent un peu, là. Le mieux, ça serait d'aller voir de ce côté-là, du coup. Bon, ils abusent un tout petit peu pour les, les zones de poison, là. Je pensais pas que c'était aussi grand. Est-ce qu'on peut passer par là? Ah, c'est chiant d'être contre le vent, là. En théorie, je dirais qu'on peut passer avec le travois sans problème. Après la descente, ça va être un peu plus risqué. En fait, faudrait voir à quoi ça sert d'aller là, quoi. Je vais pas me trimballer le travois si c'est pour faire demi-tour. J'ai un peu oublié de faire ça aussi. Okay.
Les zones tachetées de noir, là, ça doit être toxique, je pense aussi. Je pense que ça passe avec le travois. Le problème, c'est que je sais pas exactement où on va, quoi. Je vois aucun bâtiment. Je vois strictement aucun bâtiment. J'imagine que où il y a du toxique, ça doit être la route principale, genre ligne droite. Et ça doit être la zone où on fait tout un détour. Alors j'imagine que si on peut sprinter, on peut passer la zone de toxique sans vraiment de problème. Je pense. Mais par contre, si on est avec le travois, parce que vous avez vu qu'on touche à peine la zone, on monte directement à 10%, quoi. Donc c'est dangereux. Putain, si je trouve un bâtiment, on s'arrête dans le bâtiment. Et après, pour le prochain, on fera un aller-retour pour aller récupérer notre travois. Mais je voudrais bien un bâtiment quand même. Être certain d'avoir un bâtiment. C'est joli là. Ah! Là-bas. Wow, c'est gigantesque. Du poison un peu partout là, je crois. Ouais. Il y a du poison un peu partout. J'ai pas regardé mes bottes par contre. Est-ce que mes bottes elles étaient abîmées? Ouais, 87%. Bon, on va avancer. C'est toxique. Do I get at home? We'll warm up soon. C'est que c'est toxique, mais j'ai pas trop le choix là pour le moment. Allez, ligne droite, ligne droite, ligne droite. Ok, je crois qu'on est sorti de la zone. Quoi? Non. Sinon, avec le son change en fait. Mais je crois qu'on va pas avoir le choix de toute façon. Il y a un loup devant. Ah, il attaque direct. C'est cool. Il y en a encore un là, je crois. Il y en a encore à droite. Ok, très bien. Faut faire le ménage de toute façon hein, si on veut passer avec le travois. Hein. Okay,
On va aller au bâtiment, essayer de se mettre à l'abri. Peut-être qu'on dormira. De toute façon, j'ai plein d'eau, plein de... La seule chose qui pourrait poser problème, c'est s'il faut forcer une porte. J'ai pas le pied de biche sur moi. C'est le seul truc que j'ai pas. Vous voyez, je pense que nous, on vient de là-bas. Et je pense qu'on peut faire genre ligne droite comme ça. Je serais pas surpris, en fait, qu'on puisse faire ligne droite. Mais il y a énormément de toxicité. Du coup, c'est dangereux. Du coup, ça rend la chose dangereuse. Il faut qu'on dorme aussi, on est méga fatigué. Donc du coup, nous, on fait tout le tour parce qu'on n'a pas de protection. Et peut-être qu'après, quand on aura des protections... Si jamais on trouve des protections, genre maintenant, ce serait vraiment top. Genre dans ces bâtiments-là. Je sais pas où on trouve les nouveaux équipements. Bon, là, ça a pas l'air d'être toxique. Là-bas, il y a des mines, on voit. Mines. C'est fun. Oh, c'est méga grand. Hein. Méga, méga grand. J'espère qu'on peut tout visiter, hein, parce que si jamais on peut visiter que genre le niveau du bas ou quelque chose comme ça, je vais être méga déçu. Moi, je vais aller tout là-haut. Bon, faut qu'on se mette à l'abri. En plus, je peux pas sauvegarder, je peux pas arrêter l'épisode du coup. Alors, dis-moi qu'il fait chaud à l'intérieur. J'ai pas de bois par contre. Ok, il fait pas chaud. Là, peut-être. Ah, yes! Oh putain, j'aurais dû mettre le gilet. Si jamais il y a un loup. Ok. Bâtiment minier, zone de contamination. Ça marche. Ça a bien sauvegardé, hein. Attendez, parce que j'étais un peu trop... concentré, concentrateur, nouveau lieu découvert. J'étais un peu trop concentré pour la peur qu'il y a un loup en fait à l'intérieur. Maintenant je fais attention à ça, hein, depuis que je me suis fait avoir dans d'autres zones. Ouais, ça sauvegarde, ok. Bon, bah, on va s'arrêter là. Bah, c'était fun, c'était super fun. Si on regarde la carte... What? C'est quoi cette carte? Vallée de la rivière calme, non? Qu'est-ce que tu me fais, le jeu? Région. Zone de contamination. Donc... Ah putain, mais j'ai pas la zone de départ. Mais ouais, je dirais que nous, on a fait tout ça, en fait. Là les bâtiments... On va dire que les bâtiments sont genre là. Ça, c'est l'entrée de ce qu'on a fait. Donc, si on fait ligne droite, il y a énormément... Là, c'est tout contaminé. Là, c'est vraiment tout contaminé. Donc, on va pas pouvoir passer, je pense. Repos... Ouais, non, ça va. Si on fait ce que je viens de faire, ça fait que 15%. Ça passe, ça va. Donc... ah putain, oh là là, elles peuvent pas fixer leur merde. Chier. Bon bref, vous avez vu la carte, ça m'énerve. Ces bugs là, c'est là depuis 150 ans, c'est jamais fixé, bref. Bon, donc voilà, je pense que la ligne droite c'est zone toxique. Et après, nous on va devoir faire un détour pour passer, et c'est ce qu'on a fait. Donc on va devoir récupérer notre travois. Ou alors... À la limite, on va visiter d'abord. Ah oui, non, si, j'ai le bois sur moi. À la limite, on va visiter en premier. Parce que on a de l'eau, on a de la nourriture. Donc on peut honnêtement tout... On peut survivre, il n'y a pas de problème. On n'a pas techniquement besoin du travois. Par contre, faut pas qu'il casse. Ça, c'est autre chose, ça c'est une autre histoire. Donc ouais. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.